Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, et en ce lundi, je ne sais pas trop quoi faire, j'avais soit un petit pack opening à vous proposer, soit un petit squad builder, je me suis dit, bah non, un petit pack opening, on va en profiter, c'est le dernier jour de la Saint-Patrick, il y a des packs intéressants, il y a des packs à 25 000 crédits, il me reste plus de 6 000 pour faire, donc je me suis dit, on va les finir. Petit message d'avant vidéo, donc ceux qui veulent bien sûr participer au concours qu'il y a sur Twitter, il y a 2200 points à gagner, donc des points FIFA bien sûr, donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent Cyril, il est où le lien dans la description. Et ceux qui veulent bien sûr acheter des crédits sur Godan, n'hésitez pas, c'est très sécurisé, j'ai fait un tuto sur les questions Twitter et vous me parlez, je vous répondrai avec plaisir. On va partir pour les packs à 25k, donc on ne pourra pas tous les ouvrir parce que bon, hein, ça coûte un peu cher en points FIFA, c'est quand même 500 points FIFA de pack, c'est plutôt pas mal. Mais bon, on va ouvrir 13, donc c'est plutôt pas mal, on va voir. Et puis si des fois c'est un peu plus lourd, on continuera un peu avec les crédits. C'est parti les amis, on va ouvrir, comme je dis, 13 normalement. C'est parti pour le premier pack à 25 000 crédits, il n'y a que des éléments rares. Et on commence par Samy qui dit, ok, avec un petit 83 général, c'est plutôt intéressant. Faut être franc, c'est plutôt intéressant, Samy qui dira, qui est selon moi l'un des meilleurs NDC du jeu. Hein. Franchement, j'adore avec ça. Lui, ça peut être aussi Las, voire même Busquets, voire Matic. Franchement, c'est les 4 MDC que je kiffe le plus cette saison, quoi. Sur FUT, qui est très très impressionnant et j'apprécie. En plus, les joueurs coûtent vraiment pas cher. Second pack à 25k, encore un MDC français. Ouais, Gonalonji, pourquoi pas, un MDC qui peut faire l'affaire. Mais c'est vrai que je mets plus souvent Las, voire Matuidi, qui est très très bon aussi. Mais bon, Matuidi, c'est de base. Ça reste plus un milieu de terrain central, un MC. Ok, bon, pas grand chose pour le moment à se mettre sous la dent. En espérant taper un petit uniforme ou une carte verte, pourquoi pas dans ces packs à 25 000 crédits. C'est pas que j'apprécie beaucoup parce qu'il n'y a que des éléments or rares. Navas, oui, voilà, tranquille, petit 81 de général. Ouh, Hernanes, Navas, Fernandinho, il y a Chirchi aussi, il y a Kurani Randon. Ouais, des bons petits joueurs quand même. Alors, objectif du jour, c'est taper un petit uniforme, voir une carte verte. Mais bon, si on n'a rien, c'est pas grave, hein, de toute façon. Voilà, il y a des moments où on a eu beaucoup de chance, et là où j'en ai un peu moins, c'est à force de paquet que la chance va revenir. Donc on en profite et on continue. Ah, je vous c'était encore le même. Juan Mata, bien joué. Ouh, il est en bon pack, Lyon. 83, 84 et 81. Laporte, Darmian et Mata. Ouais, ça reste de très bons joueurs. J'aimerais bien aimer une petite uniforme d'un de ces joueurs. Quoi. Pourquoi pas du type Mata, qui peut être un très bon joueur. Si seulement un jour il serait uniforme en MOC, bien sûr, parce que mieux droit, c'est un petit peu du gâchis, il n'est pas très 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 bon. Allez, on continue. Mais ça va, les Espagnols, il n'y a que ça. Hein. Carvajal, up avec 82 de général. On a Luan et le cousin Mertesacker. On discarde. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Vous aurez pack to day un mercredi. Et certainement un petit. Enfin, demain, donc demain, mardi, pardon. Et un pack challenge mercredi. Normalement, c'est ça. Zuniga. Ouais, c'est Zuniga. Je me suis dit défenseur gauche colombien. Alors, les Colombiens, ça va. Hein. Sanchez, Zuniga. Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Bruma et. Deux. Ah oui, bah deux Bruma. Ah oui, voilà. Deux Bruma. Malheureusement, on aura pu me donner les gauches portugais. Bon, on a bientôt fini, on en a combien là? Ouais, on a encore 6-7 packs à couvrir. Pour le moment, c'est pas flamboyant, c'est 84 de général en espérant taper un peu mieux. Marcelo? Felipe Sandro. Felipe Sandro. Alexandro, ok, 82 avec Berto Lacci. Ouais, d'accord. Ouh, Lyon, 4000 crédits, c'est pas mal, ça rend à quoi? Un pack joueur. Ouais, c'est un bon petit pack par contre, hein. Celui-ci est plutôt pas mal, Alexandro qui reste un très bon joueur, qui a fait quand même un bon match contre Bayern, il n'y a rien à dire. J'ai regardé le match Bayern, Juve, non, Bayern-Juve, c'était pour moi l'un des plus beaux matchs que j'ai vu cette saison. Il est franchement extraordinaire le match. Samy qui dira, oui, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va essayer de parler un peu du Real, hein, parce que bon, à chaque fois que je parle de Bayern-Juve, il me donne un joueur du... de la Juve, donc on va essayer de parler un peu du Real, hein, qui a gagné 2-3-0. Il y aura certainement Buffon Record Breaker mercredi, pourquoi? Parce qu'il a battu le record d'invincibilité, 973 minutes je crois. Si je dis pas de conneries, moi c'est italien, si je dis. Saponara, ok. Je connais pas Brooks et Marcelo bien sûr, c'est pas le bon. Et il y aura pourquoi pas aussi Gareth Bale parce qu'il a battu le record. Je sais pas si c'est les Britanniques ou si c'est les Gallois du côté des nombres de buts en BBVA avec 43 peut-être, je crois. Buteur espagnol, Negredo, 81. Bon, oui. Bon, on va pas se plaindre, ça reste des bons petits joueurs, il nous reste 3 packs. Mais ça serait bien qu'on ait une petite carte de couleur, s'il vous plaît. Hein, parce que là, c'est la disette, c'est le cas de le dire. 3 packs, allez, on skip. Ouh, Dani, voilà, le petit portugais
en version boost, qui fait plaisir. En plus, je vais me le tester. Pour ceux qui ont suivi le live d'aujourd'hui, du lundi matin de 9h à 11h sur India France, donc demain c'est pareil, 9h à 11h, j'ai fait une équipe exclue que vous verrez peut-être sur ma chaîne si l'équipe me plaît, si le joueur me plaît. Et bah je l'ai paqué, ça fait plaisir, il coûte pas très cher Dani, mais bon, quand on compare sa carte régulière, enfin puis ouais, 35k ça va quoi, ça va, franchement ça va, c'est plus mal. Il a vraiment une très belle carte, hein. Il prend des stats très intéressants, je crois que c'est plus 6 en tir, plus 2 en passe, plus 1 vitesse, bref, des super statistiques par rapport à sa carte régulière. Qui est MOC, s'il n'y a pas de conneries non rares, l'année passée il était latéral milieu gauche. C'est plaisir en tout cas, le petit Dani in form et costil et jeune Tiletti, ouais. Mais écoutez, quoi qu'il arrive, on est plutôt satisfait, le boost qui fait plaisir, voilà, il nous reste 2 packs. Peut-être que dans ces 2 packs on peut taper un gros gros joueur, ça reste à voir. Avant, dernier pack, on skip. Perrin, bon, ouais. Alors lui c'est, bien sûr, il a quel âge lui? 81, ça fait 30, 40, ah oui, d'accord. Lui, il est un peu au bout du sub, hein. Il a 35 ans, là, ça se voit, Garner, ok, okay. On discarde, allez, dernier pack avec les points FIFA, je pense que je vais m'arrêter là, parce que bon, hein, plus d'une fois, ça fait plaisir. Ça fera un petit peu de crédit, dernier pack, les amis, et on termine sur, oh, ouais, ok, Casilla, Alderweireld et Buffarini, voilà, donc ça reste plus pas mal. Les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit pack opening assez rapide, on a tapé un petit joueur une forme, ça fait plaisir, c'est le premier joueur d'une forme de cette semaine, hein. Voilà, tardivement, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste un petit joueur intéressant. On va finir avec le point FIFA. Comme ça, on a un petit pack or. Et là, on tape une légende. Non, parce qu'à compliqué, mais un gros informe. Oh. Oh, pas mal. Pas mal. Overdeath, ok. Ouais, c'est plutôt pas mal dans un pack à 5000 crédits. Le dernier pack à 5000 crédits que j'avais ouvert, j'avais tapé Wayne Rooney. Donc, je suis plutôt satisfait. Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve, bien sûr, très vite pour une nouvelle vidéo. Donc, dès demain, rendez-vous 17h30, 18h pour pack 2D1. Et bien sûr, demain en live, 9h, 11h sur Twitch et Nvidia France, bien sûr, le lien dans la description. Allez, bye bye.